Salut tout seul et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, voilà, que je vous ai un peu spoil sur Instagram. Vous allez savoir pourquoi après, quand on choisira les chiens. Parce que oui, aujourd'hui je vais adopter un chien sur GTA 5. Alors je vous le dis les gars, allez 10 000 likes les gars, j'adopte un chien, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, je vais, je sais pas, dans une animalerie ou je ne sais où, et j'adopte un vrai chien. Parce qu'en plus, il y a Luna qui veut un chien, donc voilà, ça peut être l'occasion de lui offrir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez. En tout cas, les gars, on est sur GTA, on va adopter un chien. Donc il y a un petit mode qui est vraiment stylé, vous allez voir, c'est sympathique. On a le choix à plusieurs chiens, etc. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. Activez la cloche, voilà, j'attends que vous activez la cloche. Mettez un petit pouce bleu et du coup c'est parti, je prends ma caméra, hop, je la mets ici, voilà, let's go, elle est là, faut la mettre là, bah, parce que si tu la mets ici, c'est pas, tu vois, c'est pas proportionnel. Donc c'est parti, voilà, regardez, hop, voilà, ça y est, c'est fait, c'est nickel. Et regardez, il y a qui nous attend, et bah, il y a le petit babouin, voilà, qui est là, qui nous attend tranquillement. Donc je suis avec lui, et on va aller tout simplement aller à l'animalerie, parce qu'il y a une nouvelle animalerie. Oh, pas mal. J'ai plutôt kiffé ce petit saut qu'il m'a fait. Donc l'animalerie, alors elle est ici, elle est quand même assez loin, tranquillement. Donc on est avec Juju, donc vous connaissez, hein, la petite série avec Juju. Ok, du coup on est avec Juju. Donc je me suis téléporté parce que tout simplement je me suis dit, écoute, bon, on a les modes, autant faire les modes jusqu'au bout. On se téléporte, on est là, on est tranquille. Et surtout, alors je sais pas s'il voit la route. Attendez, je vais mettre en première personne. Ah si, quand même, hein, il voit la route, hein. Il est petit mais il voit la route. Et on est tranquillement, donc j'ai volé la voiture du daron, hein, tu connais. On est là, on veut dire que papa il est riche. Donc forcément vous doutez bien qu'on va profiter de voilà, on a un fils à papa clairement. Ah bah, voilà. Alors c'est parti les gars, let's go. Hop, l'animalerie elle est juste à gauche. Voilà, elle s'appelle Arc Animal Arc. Donc on y va. Bonjour. Alors par contre j'ai un peu dégomme la voiture devant, donc je pense que là mon daron il va pas apprécier, hein. Papa va pas être très content, hein, les gars. Papa il va. Voilà, ça va être chaud. Je vais être puni ce soir. Hein. Hop, voilà, je me gare bien. Et il y a quand même des belles motos et tout. Hein. Ok, donc du coup, on est parti. On est à l'animalerie. Let's go. Bon, l'animalerie qui ressemble à ça, je vous fais un peu le tour de l'animalerie pour voir à quoi ça ressemble. C'est l'animalerie basique, quoi. Voilà. Et le devant, bah, vous voyez un peu le devant. Ça fait vraiment. Voilà, il y a des. Il y a un rat, des chats, poissons, poulets, chiens. On va pouvoir prendre tout ça, les gars. Alors, c'est parti. Hop, let's go. Ok. Hello there. Bonjour, hello. Bonjour, alors, j'aimerais un... Alors, vous avez un chat. Donc, on peut changer l'apparence aussi. Je vous montre, regardez. Hop. On a ce petit chat. On a le husky. Voilà. On a même un... Ouais, on avait le poulet, hein, je ne vous ai pas montré, mais c'est 10$ pour prendre un poulet. Labrador. Ok, vite fait. Alors ça c'est des chiens. Je sais pas si vous êtes d'accord dans les commentaires. Ça c'est des chiens pour mamie. Voilà, clairement c'est des chiens pour mamie. Lui, ouais. Je sais qu'il y a des gens qui ont des chiens comme ça, j'en connais beaucoup. Moi je les trouve pas stylés que ça, hein, ce genre de chien. On a Shop et Shop Alors, je sais pas si c'est Shop en fille ou pas, mais on a deux sortes de shops. On a un Australien. On peut adopter un petit... J'appelle ça des Mistiti. Voilà, il a plusieurs apparences, soit noir, soit blanc, beige. Voilà, vous avez pas mal de trucs. Ouh, un lion. Ah ouais, pas mal. Un coyote. Et voilà, on a fait le tour. Donc moi, sur Instagram, du coup, je vous avais demandé quel chien vous voulez que j'adopte. Et du coup, vous avez été nombreux. On a fait une finale et c'est celui-ci qui a été choisi, mais pas la couleur là. Donc on avait la couleur là et la couleur là. Du coup c'est celui-là qui a été accepté et celui-là qui a eu le plus de votes. Je crois qu'il avait littéralement tout dégommé, hein. Je vous mets le screen. Voilà. Alors, hop. Ok, du coup les gars, je crois qu'on peut pas prendre de chien. En fait, quand on a un petit bébé comme Juju. Donc je pense qu'il faut être soit Franklin. Donc on va essayer avec Franklin. Là, on prie pour que ça marche. Ah, voilà, c'est bon. Ah ouais, donnez un nom à votre chien. Bon, par contre, là, je sais pas du tout. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner un petit nom qu'on pourrait lui donner. Pour l'instant, je sais pas comment l'appeler. Tiens, je vais l'appeler un bon chien, tiens. Tiens, je sais, j'ai trouvé un nom. Bad Flunch. Ça, c'est un bon nom de chien. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est un bon nom de chien, ça.
Bat Flunch is your new pet. Ok. Donc on peut voir quand même, il y a sa vie et tout. Alors, on peut voir si... Attendez, je vais regarder si je peux acheter des trucs ou pas. Si je peux acheter de la bouffe. Ah, voilà, je peux acheter de la bouffe. Je peux même rendre le chien si j'ai envie. On va acheter de la bouffe. Tiens, on va acheter... Ah, ok, regardez, sa vie, elle monte. Regardez, les gars. Je le nourris à fond, les gars. Mais je sais pas si... Ok, c'est bon. Là, je l'ai bien nourri. Ok, il a de la bonne vie, il est bien. Ouais, il me suit tout, c'est trop stylé. Attendez, presque quoi? Tu configures le pay. Ah, d'accord, on peut le mettre en garde du corps, véhicule follow, combat, chill, leave. Ok, on a plusieurs trucs. On peut lui donner des armes. Ouais. Give this pet your current weapon. Non. Ok, on a pas mal de trucs, hein. Hop. Voilà, je lui ai mis le mode garde du corps, les gars. Donc, c'est à dire que si jamais je me bats, c'est pas mal. Alors, par contre, on a un autre truc, les gars, qu'on va découvrir. Alors, il me suit ou pas? Mais en tout cas, il est magnifique, franchement. Celui que vous avez choisi sur Instagram, les gars, il est trop beau. Ok. Alors, on a le menu J où on peut lui demander de faire des trucs. Alors, commande, wait, on peut se téléporter aussi. Ah ouais. Follow. Ok, là, follow, il me suit. Ok, vous voyez, on a le mode follow. Le follow, ça veut dire il me suit. Ouais, merde. Follow, c'est bon, ça c'est poursuivre. Wait, il attend. Ok. Là, il attend. Là, il peut plus bouger, regardez. Il essaye de bouger, tout, c'est stylé. On a. Attaque. Attaque pet, c'est quoi ça? Je vais mettre en mode follow déjà, voilà. Attaque. Attaque pet, c'est quoi ça? Ok. Play catch. Oh! Les gars! Wow, c'est stylé. Attendez, je vais le ramener dans un parc, je pense. Je vais tester ici. Ouais, va chercher la balle! C'est stylé! Il m'obéit déjà, les gars, c'est magnifique. Allez, viens, viens. C'est bien, Batlunch. Allez, on y va. Bon, on va monter dans la voiture. Est-ce qu'il va me suivre? C'est ça la question. Hop, les. Alors, pour l'instant, il me suit pas. Parce que je sais, faut que je fasse quoi? Get inside vehicle. Voilà. C'est trop stylé, regardez, il est où, les gars? C'est magnifique, il est avec moi dans la voiture et tout. Alors, je vais trouver un endroit un peu parc comme ça. Ok, on est à la plage avec la voiture tranquillement, les gars. Bon, on va tester un peu tout ce qu'il peut faire. Voilà, donc là, il est avec moi. Hop, J. Et là, je fais get outside. Ok, et là, il est dehors. Ok, non, franchement, c'est sympa. C'est vraiment stylé. En tout cas, les gars, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hop, on va lui mettre en mode wait. Alors, on a follow. Je vais regarder les autres trucs. Attaque, play catch. Donc, c'est pour jouer. Et alors, ça, par contre, je sais pas c'est quoi. Attaque. Ça veut dire en gros. Quand là, il me suit. Il me suit, ouais, c'est bon, il me suit. Il me suit. Il a de la vie, il est bien. On va voir si le fait de se battre avec quelqu'un. Il me suit, hein, c'est bon, il est là, il est là, il est là, il est là, les gars, il est là. Le fait de se battre avec quelqu'un, ça fait que... Voilà, regardez, attention. Ah non, moi, ah non, lui, il a peur. Allez, viens. Ah, ah. C'est bon, regardez. Oh, wow, mon chien. C'est bien, mon chien. C'est bien, voilà. Allez, attaque. Ah, ça y est, c'est reparti. C'est bon, il attaque. Oui, c'est bien, mon petit chachin. Voilà, bouffe. Oh, il est en train de le dégommer, wesh, il a faim. Il l'a humilié, les gars. Ok, c'est bon, suis-moi maintenant. Hop, voilà, tu me suis, tranquille. On va faire un petit peu, on va un petit peu jouer. Maintenant que t'as bien mangé, t'as mangé clairement de l'humain, on va jouer. Je vais voir si je lui envoie la balle, genre, loin, abusé, est-ce qu'il va la chercher? Ah, voilà, je l'ai envoyé loin, mort. Ah, il va chercher, hein. Allez, reviens. Batflunch, allez, tu viens ici. C'est bon. Il écoute son maître, hein. C'est bien. Allez, viens. Je vais mettre en première personne. Oh. Est-ce qu'il peut monter les escaliers? Est-ce que c'est un bon chien? Faut lui faire des activités physiques, les gars. Moi, je pense que ceux qui ont des chiens dans la vraie vie,
vous devez quand même lui faire faire des trucs. Eh, il monte, hein. On va essayer de jeter la balle, les gars. Alors déjà, on va faire un premier test. On va jeter la balle, genre, on va se mettre ici. On va jeter la balle en bas pour voir si il peut aller la chercher. Voilà, hop. Là, j'y mets en mode attaque, play 4, tu vois. Donc, on va voir s'il peut aller la chercher. Je l'ai jeté en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais il est intelligent. Il y va, hein. Il y va, regardez, il y va. C'est trop stylé, les gars. Je kiffe, je kiffe. Mon chien est magnifique. Il récupère là-bas, là, regardez là-bas. Hop, voilà, il l'a récupéré. Et il revient. C'est-à-dire que le mec, il a même pas vu. Enfin, il a vu plus ou moins jeter la balle. Si, il l'a vu. Mais il va la chercher, quoi. Ok, donc premier test fait. On va passer au test ultime. Je pense que tout le monde a envie de voir ce test. On va faire le test, les gars, de jeter la balle dans l'eau. Ça peut être pas mal. Alors, je vais déjà tester. On va regarder d'en haut pour voir ce que ça donne. Je vais jeter la balle ici. Et ensuite, on verra si on peut jeter. Bah, s'il meurt pas entre temps, quoi. Si on peut jeter la balle à travers le pont là-bas, sachant qu'il n'y a pas d'issue. Alors, c'est parti. Alors, hop, hop. Play catch. Voilà. Là, je l'ai jeté dans l'eau. Ah. Il veut pas y aller, je crois, les gars. Ah, il a compris. Mais c'est que t'es intelligent, toi. Hein. Et bon, voilà. Bon, j'ai réussi à faire en sorte qu'il ramasse la balle. Donc, c'est-à-dire que j'ai directement ramené le chien dans l'eau. Et il a pu prendre la balle avec sa bouche. Parce que sinon, il va pas. Donc, bon, on a déjà un truc sûr. C'est que les chiens ne peut pas, tout simplement, eh bien, récupérer de balles quand elle est dans l'eau. Et ça, ah, ça, c'est pas un chien, voilà quoi. Hein. Hop, les, voilà, hop, tu montes avec moi. Ok, on est arrivé chez Franklin, les gars, je vais me garer tranquillement. Alors, il faut savoir un truc, c'est que Franklin, il a un petit chien aussi. Et il a un chien de nom de Chop. Hop, voilà, tu sors, voilà. Et on va aller voir si les deux peuvent cohabiter ensemble. Alors, normalement, il est en dessous. Il me suit tranquillement, voilà. Alors, je sais pas si Chop est là à la maison. Je sais pas s'il est reparti. Non, Chop, il est pas là. Chop, il est pas là. Il est peut-être en haut. Chop. Voilà. Chop, par contre, Chop, il est pas là, les gars. Il est strictement pas à la maison. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Parce que lui, à chaque fois, de toute façon, je le perds. Au moins, lui, c'est un bon chien. Il me suit et tout. Et il est tranquille. On va tester de jeter la balle dans la piscine. Je vais regarder si Chop il est pas en haut. Ok, bon, le chien arrive, les gars. On va pouvoir tester le dernier test. Ensuite, on se quittera là-dessus. Alors, dernier test, on va pouvoir jeter la balle dans l'eau. Alors, on va jeter la balle dans l'eau et on va voir si. Parce que, bon, on l'a jeté dans l'eau, dans la mer. Malheureusement, l'océan, ça passe pas. Maintenant, dans une piscine, est-ce qu'il peut y aller? Attention. Et il veut pas y aller, hein. Mon chien n'aime pas l'eau. T'aimes pas l'eau? Il n'aime pas l'eau. Mon chien n'aime pas l'eau, voilà. Je le dis, mon chien, il aime pas l'eau. Il veut pas y aller, c'est tout. Hein. C'est même si on le force, hein, regardez, je vais voir s'il peut nager. Peut-être qu'il sait pas nager. On va le ramener à nous. Voilà, hop. Je le mets ici, voilà. Là, il est dans l'eau. Maintenant, je vais sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Bah non, mais regardez, pourtant, il sait nager. Hein. C'est un bon chien. Je vais mettre en mode follow. Regardez. Voilà, là, j'ai mis en mode suivre. Ah, je sais pas si... Il a réussi à me suivre. Bon, du coup, les gars, on va se tout simplement quitter là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu avec le chien. Voilà, c'était un petit mode vraiment tranquille. Voilà, j'essaie de vous faire pas mal de petites coupures pour que ça soit vraiment sympa pour vous. En tout cas, le chien, tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut pas aller dans l'eau. Mon chien n'aime pas l'eau. Et on lui a pas encore trouvé de nom. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et voilà, on cesse là-dessus. C'était J'adopte un chien. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.